Bonjour, je suis Sophie van der Linden, je suis critique littéraire spécialisée dans l'édition jeunesse et je vous propose aujourd'hui de découvrir quelques nouveautés de cette création. Alors pour ce faire, nous allons visiter le centre de ressources pour les professionnels de l'enfance, ici à Guyancourt. C'est un centre qui fait partie du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui s'adresse aux professionnels à des fins d'accueil, de ressources ou de formation. Donc, je vous invite à me suivre pour découvrir toutes ces pépites. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue au centre de ressources pour les professionnels de l'enfance et du bibliobus. Merci. Alors, on est donc dans un centre de ressources pour les professionnels qui n'a pas vocation à accueillir du grand public. Et donc, les fonds de ce centre sont pensés pour accompagner les professionnels dans leur mission auprès des enfants au moyen des livres et de la littérature pour la jeunesse. Donc ici, par exemple, ce sont donc des albums patrimoniaux qui en réalité sont à la fois donc des classiques établis, mais aussi des livres sur lesquels on va parier pour s'imposer comme des classiques. Et donc parmi ces ouvrages et ces créateurs récents, il y a des livres ici d'Adrien Parlange, et notamment le tout dernier qui s'intitule « Les printemps » aux éditions La Partie et qui témoigne de la perpétuelle innovation qu'on trouve dans ces livres-là, puisqu'ici on a un livre qui est un jeu de découpe très très intéressant et qui va permettre d'exprimer la persistance des souvenirs dans une vie. Alors on est ici dans les collections destinées à la petite enfance, c'est-à-dire vraiment aux enfants de 0 à 3 ans. Alors vous le voyez, c'est une production qui est très colorée, principalement faite de livres tout en carton. Mais les choses évoluent beaucoup dans ce secteur et on a par exemple cette collection qui s'appelle Le Monde autour de moi, qui est constituée de 4 livres qui ont pour thème les 4 éléments. L'esthétique de ces livres est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans ces secteurs, puisqu'on a des images beaucoup plus estompées, avec des couleurs très, très douces. Et on a notamment beaucoup de paysages, qui est quelque chose qu'on voit très, très peu dans cette production, qui est généralement très centrée sur les personnages. Voilà, alors je vous propose maintenant qu'on grandisse et qu'on aille voir le reste des collections. On est au cœur des collections d'albums jeunesse, qui est un secteur extrêmement foisonnant. Et alors moi, il y a une tendance qui m'intéresse beaucoup, c'est celle qui est convoquée par les albums qui viennent de Suède, qui sont traduits du suédois. Il y a notamment cette illustratrice Emma Adbogue qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle a une capacité à représenter des personnages qui ne sont pas forcément des personnages qui sont beaux, dans des environnements propres. Voilà, on est dans un immeuble et on a deux enfants, deux copains qui vont aller voir un peu chez tout le monde comment ça se passe, parce qu'ils se demandent finalement comment ça se passe chez les autres. Et on va entrer comme ça dans des univers familiaux extrêmement différents avec des mamans, des papas qui ont des physionomies, des styles qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les livres pour enfants. Des fois, c'est vraiment pas propre du tout. Mais au-delà de ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que ça amène une grande diversité de représentations sociales, finalement, qu'on a assez peu quand on prend du recul sur toute cette production. Et là, c'est vrai que ces albums suédois, dans leur ensemble, ils ont une diversité de représentations que je trouve très, très intéressante. On a un peu grandi, on arrive ici au roman, ce qu'on appelle les premières lectures. Alors c'est une catégorie éditoriale qui est un petit peu particulière, hein, qui fait la transition entre l'album et le roman, qui est assez conventionnelle et on trouve assez peu de choses qui soient vraiment déjà littéraires.
Donc il y a la petite collection, la collection Petite Poche qui est très intéressante. Puis il y a une nouvelle collection qui s'appelle Le Grand Bain. Donc c'est vraiment l'idée de se lancer dans la lecture autonome, tout seul, et qui est une collection vraiment très intéressante avec des auteurs. C'est vraiment des propos d'auteurs. Et puis en plus, elle est vraiment très sympa parce que elle est illustrée par des illustrateurs d'aujourd'hui qu'on des styles très singuliers. Et puis le livre est entouré d'une jaquette qui se déplie en poster. Voilà, alors je vous propose de me suivre maintenant dans un espace un peu particulier, rattaché à ce centre. Alors voilà, on est dans une petite partie de ce centre de ressources qui est mobile puisqu'il s'agit d'un bibliobus, donc un bus équipé pour aller présenter cette offre de lecture dans les écoles ou auprès du grand public. Donc il y en a à peu près pour tous les âges ici, des tout petits aux adultes. Alors ça nous permet à nous de continuer notre exploration de la littérature pour la jeunesse avec des romans pour ados et notamment ce roman, Les Longueurs de Claire Castillon qui a reçu le prix vendredi, c'est-à-dire qu'un prix national de romans pour ados et qui est un livre extrêmement fort d'une très grande puissance littéraire sur un thème qui est à la fois très rare dans le roman ado et vraiment pas simple, qui est celui de l'emprise par un pédophile. Et donc c'est raconté par une jeune fille depuis ses 8 ans. C'est vraiment un texte très très fort, mais d'une grande ampleur littéraire. Voilà, alors je vous propose maintenant d'aller vers la dernière étape de cette exploration du centre de ressources pour les professionnels de l'enfance. Alors, dernière étape de cette déambulation, les livres sur la littérature pour la jeunesse à destination des adultes et principalement des professionnels. C'est là que l'on trouve mes livres, qui sont donc des guides ou des essais sur la littérature pour la jeunesse. Et par exemple, l'un des tout derniers qui s'intitule « Tout sur la littérature pour la jeunesse » et qui essaye de tenir les promesses de son titre en abordant à la fois beaucoup de questions et puis tous les âges de lecteurs tels qu'on les a traversés ensemble pendant ce moment, donc des bébés aux grands adolescents. Nous allons donc refermer cette déambulation et cette découverte du centre de ressources pour les professionnels de l'enfance. Je remercie l'équipe pour son accueil. Et puis, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces vidéos au fil des mots sur le portail des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.